Les troisièmes et quatrièmes étapes des pèlerinages de carême se sont déroulées à la flagellation pour commémorer le sacrifice et les souffrances de Jésus, et à Béthanie, sur le site du miracle de la résurrection de Lazare. En collaboration avec l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem, le centre médical épiscopal arabe de Ramallah a organisé un marathon pour soutenir les enfants atteints du cancer. Le concours biblique au collège universitaire Dar el Kalima à Bethléem est terminé. Le 27 mars, l'Institut Goethe de Ramallah a ouvert ses portes aux musiciens locaux pour animer une soirée musicale avec la participation du groupe de jazz allemand Fly Magic. La semaine gastronomique française en Palestine s'est arrêtée à Jéricho. Des produits de saison pris directement chez le producteur pour savourer une cuisine qui est une fusion de couleurs et de saveurs. Le chemin vers la résurrection de Pâques continue. Dans la troisième étape du pèlerinage de Carême, sur les lieux de la Passion de Jésus, les frères franciscains ont célébré la messe dans la chapelle de la Flagellation. Restaurée par l'architecte Barluzzi entre 1927 et 1929, elle présente trois vitraux rappelant les moments qui ont précédé le portement de croix de Jésus, la Flagellation, Pilate qui se lave les mains et le choix de Barabbas comme prisonnier à libérer. Dans son homélie, frère Ramzi Sidaoui, économe de la custodie, a voulu souligner comment deux images de Jésus peuvent être perçues. La première immédiate, la seconde plus cachée. En fait, si d'un côté Jésus souffre, il est condamné, fouetté, couronné d'épines, a-t-il poursuivi, de l'autre, à travers les paroles de l'évangéliste, nous pouvons voir le roi. C'est un roi spécial qui vient régner d'un autre monde. Ces pèlerinages nous font revivre le mystère que nous lisons dans l'Évangile. Et l'Évangile est une parole de vie pour aujourd'hui. Ce n'est pas une parole du passé. Donc, nous vivons, revivons et puisons aujourd'hui dans ces endroits, dans ce mystère, pour notre vie. Béthanie, un lieu qui a toujours été vénéré, était le quatrième objectif de ces pèlerinages. Maison de l'amitié, entre la famille de Lazare et Jésus. C'est une oasis, là où a été proclamé « Je suis la résurrection et la vie ». De là, jaillissent deux mots, « amitié et vie ». Sì, innanzitutto queste due parole ci portano alla creazione. Ces deux mots nous conduisent à la création où Dieu nous a donné la vie. Il nous a créés comme ses amis, à son image. Dieu a marché en ami avec Adam, et nous avons perdu cette amitié avec le péché originel. Mais Dieu est venu restaurer cette amitié et la ramener à sa plénitude. Dio è venuto per restaurare questa amicizia e riportarla alla sua pienezza. Suivant une tradition ancienne, les frères franciscains se sont ensuite rendus au Mont des Oliviers. Ils ont d'abord prié dans la chapelle de l'Ascension, un lieu où, selon la tradition, Jésus est monté au ciel. Enfin, ils se sont dirigés vers l'église du Paternoster, le lieu où le Christ lui-même a enseigné à ses disciples la prière du Notre Père. Enfants atteints du cancer, tel est le nom de l'initiative que le Centre médical épiscopal arabe a voulu donner au marathon pour enfants organisé à Ramallah en collaboration avec l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem qui s'occupe des enfants atteints du cancer depuis des années. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, l'enthousiasme des petits participants a touché les assistants, en particulier les parents des patients, mais aussi ceux qui ont pris part à la course, en solidarité et en soutien aux enfants malades.
Voir ces enfants atteints du cancer qui tentent de surmonter leurs difficultés et qui sont impatients d'en vaincre leur souffrance avec leurs amis confirme le message que les organisateurs ont voulu transmettre avec ce marathon. Nous avons couru pour leur bien et pour leur redonner de l'espoir. Grâce à la détermination, à la volonté et à la liberté, par beau temps ou par temps froid, cette maladie peut être vaincue. C'est le message que j'essaie d'envoyer avec ce marathon. Malgré le mauvais temps, les enfants ont décidé de sortir et de courir ce marathon. Nous maintenons un contact direct avec les hôpitaux qui s'occupent de ces enfants et qui nous regardent actuellement. Cela devrait améliorer leur morale et leur donner une impulsion pour avancer dans leur lutte contre cette maladie. Merci à tous. Je viens de Ramallah. Aujourd'hui, je suis très heureuse du soutien apporté par les habitants de ma ville aux patients atteints d'un cancer. C'était vraiment une activité merveilleuse qui nous a offert l'aide dont nous avions besoin. Au nom de tous les enfants présents ici et en mon nom, je voudrais vous adresser mes plus sincères remerciements à vous tous. La foi, l'espoir et la volonté forte sont les caractéristiques principales de ces petits malades. Malgré la souffrance physique et morale, ils ont participé au marathon pour injecter une dose de bonheur dans leur vie. La quatrième et dernière soirée du concours biblique s'est terminée le 29 mars à l'université Dar el-Kalima de Bethléem. Plus de 200 étudiants de différentes villes palestiniennes ont pris part au concours pour représenter leurs écoles et leurs paroisses. Le concours, promu par l'Association des enfants de la Terre et son directeur, le père Ibrahim Ashomali, a pour objectif d'encourager les élèves à lire la Bible plus profondément et à rester en contact avec la parole de Dieu. Nous sommes palestiniens et nous sommes heureux de vivre l'Évangile au pays de l'Évangile. J'avais l'impression que je connaissais les versets de la Bible, mais après avoir lu, j'ai découvert que j'ignorais beaucoup de choses que je sais maintenant. L'administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, Son Excellence Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a béni cette activité et a exprimé sa joie pour la présence de nouveaux médias permettant aux jeunes de connaître la parole de Dieu. La mission pontificale est très intéressée par toutes les activités qui favorisent le développement d'un sentiment d'appartenance à la terre de Jésus parmi les jeunes hommes et femmes de la communauté chrétienne. Depuis des années, lorsque nous parlons de l'avenir de la présence chrétienne, nous ne parlons que de fournir des logements et des emplois. Mais il y a un élément important qui est le sentiment d'appartenir à la terre de Jésus. D'où l'importance du concours biblique. Cynthia Natsi a remporté le premier prix du concours en tant que représentante de son école, Saint-Éphrem du Syriac de Bethléem. Elle a gagné un pèlerinage à Rome et une rencontre avec sa sainteté le pape François. J'étais très heureuse de vivre cette expérience. C'était l'un de mes rêves de monter sur scène et de gagner le concours. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui m'ont soutenue. Dieu a été avec moi. J'étais aussi heureuse lors de la lecture de l'Évangile et j'avais parfois le frisson en lisant les versets. J'ai beaucoup fait pour aider ma fille à gagner et je remercie Dieu pour cela. J'ai décidé de la soutenir après la troisième phase et j'ai lu avec elle en lui suggérant de se retirer si elle se sentait fatiguée. Mais elle a dit « Maman, ne sous-estime pas mes capacités, je vais réussir ». Thank you.
L'Institut Goethe de Ramallah a ouvert ses portes à la deuxième édition d'une soirée musicale en collaboration avec le groupe de jazz allemand Fly Magic, qui a animé la soirée avec de merveilleux morceaux musicaux en compagnie de plusieurs musiciens palestiniens. L'idée est venue quand je suis arrivée et elle est basée sur le projet inauguré par mon prédécesseur appelé Music Room. Nous l'avons fait ici en Palestine pour montrer qu'il existe des espaces sûrs. As a way also to show that safe spaces exist. Dans cette petite salle qui a longtemps hébergé une activité liée au festival de la photo en Palestine, le public local et étranger a échangé avec les artistes participant à la soirée musicale. Nous sommes basés entre Berlin et New York. Je suis avec ce groupe depuis longtemps et c'est un plaisir d'être ici. It's a great pleasure to be here. Parlant de collaboration avec des musiciens palestiniens, le chef de Fly Magic a déclaré: I think it's wonderful. The best... Je pense que c'est génial. C'est le meilleur moyen de connaître un lieu, une culture. Travailler avec les gens à travers la musique est le meilleur moyen parce qu'il n'y a pas besoin de langue, parce que la musique est une langue en soi. Les musiciens palestiniens ont présenté différents types de musique de jazz. Ils ont joué plusieurs instruments qui ont ajouté une touche de joie et ont captivé tout le public. Nous allons assister aujourd'hui à un spectacle à l'Institut Goethe, situé dans le centre franco-allemand de Ramallah. On jouera du jazz et de la musique arabe. Des sessions communes sont également prévues dans le cadre d'une collaboration étroite entre musiciens afin de produire ensemble une musique commune. La musique est vraiment le lien qui unit les différents musiciens du monde entier. Nous achetons des produits biologiques frais du marché de Jéricho. Nous ferons des somi moussakan, c'est-à-dire des moussakan végétaliens. Nous utiliserons des champignons locaux, des aubergines ainsi que beaucoup d'oignons, du sumac et de l'huile d'olive. Nous allons cuisiner avec un chef français. Tout cela sera directement du fermier producteur au consommateur. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a une nourriture qui sauve, une qui nourrit et une qui console. Il y a une cuisine contemporaine et une traditionnelle. C'est une cuisine internationale qui sait projeter la rencontre de différents mondes locaux dans une assiette. Une semaine pour savourer tout cela. À Jéricho, une ville qui, avec son tel, est considérée comme la plus ancienne du monde, s'est arrêtée la semaine annuelle de la gastronomie française en Palestine, qui a été organisée par l'Institut français de Jérusalem et le Consulat général de France. La cuisine peut être fascinante, parce que nous utilisons tous les mêmes ingrédients. Il s'agit simplement de technique, de style et de goût. Ainsi, lorsque vous avez deux chefs différents provenant de différentes régions du monde, il y a toujours de la place pour la fusion et de nouvelles idées peuvent naître. C'est très excitant. La meilleure recette peut venir de l'improvisation du moment. Ça n'est pas pour moi une forme de religion ou de mystique de la nature, c'est de revenir à la simplicité des choses. Je ne sais pas si vous avez vu sur le marché de Jéricho tout à l'heure, les maraîchers qui vendaient leurs produits mangeaient constamment. En vendant les produits, nos deux magnifiques chauffeurs de cheval dans les champs, hop, tu vois, hop, mangeaient constamment. On ne le fait pas quand on est dans un supermarché, d'aller goûter les produits. On n'a pas envie. C'est une nécessité d'aller acheter des produits, mais on n'est pas à les goûter sans cesse. Là, toute la nature nous l'offre à un tel point qu'on en a mangé toute la journée. Couleurs, saveurs, parfums, coutumes, traditions et innovations. Ainsi, dans les ruelles du marché de Jéricho, un parcours spécial permet aux visiteurs de goûter aux produits locaux dans un voyage qui mène directement du producteur à la table du consommateur. En réalité, c'est la première fois que nous participons à ce programme à Jéricho et nous voulons essayer de faire quelque chose de différent aujourd'hui. L'idée est d'emmener les gens en tournée, montrant différents aspects de la production alimentaire à partir du système d'irrigation de l'aqueduc, en passant par les fermes locales, les familles locales qui produisent leurs produits
et récolter partout l'ingrédient frais local, l'ingrédient saisonnier disponible. Nous voulions produire quelque chose de palestinien pour le marché palestinien. Et si cela s'est produit partout, pourquoi ne pas le faire ici? Nous produisons 100 tonnes par an, utiles pour couvrir l'ensemble du marché de la Cisjordanie de Gaza. Je parle de la production autosuffisante des champignons sur les marchés palestiniens. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre de couleurs et de saveurs, mais d'une fusion par des personnes de différentes cultures. Le travail de création commence ensemble, puisqu'il n'y a rien de plus jubilatoire, joyeux, que de faire à manger à plusieurs. أنا بشارة مرزوقة عمري 12 سنة وهاد بيتي هادي مدرستي هاد أبونا مروان مديري هدول ولاد صفي. My best friend in class. Jack in the bathroom. He's having a shower. Right on the board. هذا أبونا رامي خوري رعيتي هاي كنيستي بيت لحم مدينتي والتالي